Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour les 2 heures endurance VHC avec encore un magnifique plateau ce week-end. Une trentaine de voitures au départ avec beaucoup de nouveautés, des Chevron B16, des Tommaso Pantera, Corvette, Lola T70 et j'en passe, ce qui promet du beau spectacle sur la piste. Et Charles, beaucoup de voitures sont venues aussi ici pour s'entraîner pour les deux tours d'horloge. Tout à fait, avec notamment cette Chevron B8 dont c'est le principal objectif, faire ses armes et tester sa voiture ce week-end. C'est Joël qui vous emmène dans les box. Nous sommes sur le circuit automobile et je vais vous emmener voir des œuvres d'art. Elles nous sont présentées par David Ferrer et Mr. John Ofby. Piloter des œuvres d'art, c'est une spécialité effectivement. Lorsqu'on est propriétaire de voitures de collection, on dit que la meilleure façon de les entretenir, c'est de les faire rouler. Là, il s'agit de les faire courir. Parce qu'on aime ça, c'est des voitures très sympathiques à conduire. Et suivant les époques, très différentes les unes des autres. Donc c'est ça qui est passionnant. Piloter une œuvre d'art, c'est quand même un privilège. Oui, c'est un privilège et je remercie mon ami David de pouvoir me faire partager ce plaisir, comme l'année dernière. Alors c'est vrai que cette Lola de 1966, c'est un pilotage très particulier. C'est une voiture Can-Am, qui a couru en Can-Am. Elle a un moteur de 6 litres qui développe 560 chevaux à peu près. Beaucoup de couple, pas d'appui aérodynamique, donc une voiture très sympathique à conduire. En tout cas, l'intérêt de ces voitures des années 60, c'est d'avoir des voitures très vivantes entre les mains. L'arrière a tendance à passer devant. Oui, c'est une voiture très nature, beaucoup de couple, un gros moteur. Je crois que le plaisir que l'on a, c'est justement de les faire rouler et de les faire courir, parce qu'elles sont faites pour courir, il ne faut pas l'oublier. Alors, on a à côté de nous une Ferrari BBLM. Elle fait partie des voitures mythiques qui ont été construites par Ferrari pour Le Mans, 25 exemplaires. Et celle-là est une des dernières séries. Plus petite voiture, mais tout aussi intéressante, la Chevron B8, qui est une voiture qui, elle, a un moteur plus petit, puisque c'est un BMW 4 cylindres, mais qui est la voiture idéale peut-être pour faire des grandes endurances comme les deux tours d'horloge, par exemple. Vous avez tout compris. C'est une voiture qui est très fiable, normalement, avec un moteur de grande diffusion, puisque c'est un BMW 2 litres de soupape par cylindre. Voilà, c'est une voiture qui est faite pour les deux tours d'horloge. Et puis ce qui est sympathique, c'est que quand on a des voitures de notoriété, on peut aussi s'offrir des pilotes de notoriété, puisque vous complétez les équipages avec des garçons comme Soel Ayari. Effectivement, moi je cours avec Soel depuis une dizaine d'années. Et quand je lui ai dit, il faut que tu viennes pour les autos d'horloge et nous accompagner, il a de suite dit oui, au contraire, il se régale de venir rouler dans ses voitures. Alors messieurs, continuez de faire rouler vos œuvres d'art. Pour nous, c'est que du bonheur. Merci à vous. Parmi les nouveaux venus dans les véhicules historiques de compétition, on retrouve un certain Eric Hillary, au palmarès éloquent, et qui conduit des voitures de très grosse cylindrée. On va aller le voir tout de suite pour savoir pourquoi il revient dans cette discipline. Je dirais que c'est une nouvelle carrière qui commence pour Eric Hillary. On devient un préparateur, manager, et on va mettre des voitures à disposition des gentlemen drivers, peut-être aux deux tours l'horloge prochainement d'ailleurs. Eh oui, on va essayer de venir. Tout ça est en train de se mettre en place. Moi, ça fait 6 mois que je suis à Toulouse. Donc, je fais à la fois pilote, team manager, préparateur. Mais ça fait quelques années que je le fais déjà chez moi tout seul. Et puis là, bah, effectivement, avec l'aide de tous ces super mécaniciens, c'est beaucoup plus facile. On parle aussi du problème des freins souvent sur les Corvettes. Oui, mais là, on a bien travaillé. On a fait pas mal de refroidissement. Au point de vue poids, on a réussi à gratter pas mal aussi, ce qui va permettre d'améliorer le freinage, bien évidemment. Et oui, cette voiture pèse 1150 kg. Donc, pour une Corvette, c'est vraiment très, très faible. Et oui, on a beaucoup travaillé dessus, donc on est là pour venir préparer 2012. On va faire d'ailleurs du VH, mais aussi du moderne. On parle aussi de Tommaso Pantera, parce que c'est une voiture originale. On a rarement des voitures performantes en course. On sait bien que c'est des voitures qui posent souvent un problème de chauffe moteur, hein, qui ont du mal au point de vue refroidissement. Est-ce que celle-ci, eh bien, on a trouvé les solutions du côté du Steel Racing? Oui, oui, effectivement, on a trouvé des solutions. C'est vrai que cette de Tommaso est particulière, un énorme V8.
le radiateur 2 mètres à l'avant de la voiture, des tubes qui passent en dessous, donc ça refroidit pas très bien. Mais il y a notre super Jean-Michel là qui travaille d'arrache-pied. Et cette voiture tourne à 80 degrés, elle monte pas plus haut. C'est une auto qui est très équilibrée, moteur central, boîte de vitesse idéalement placée. Il faudra un petit peu la développer et je pense que ça peut être vraiment devant aussi bien en circuit qu'en rallye. Eh bien Eric, on va suivre avec beaucoup d'intérêt les performances du C-Racing à l'occasion de ces 2 heures de course. Et puis ben, rendez-vous de toute façon pour les 2 heures d'horloge également. Exactement. Et l'an prochain, on recherche des clients, donc on va être très sérieux et on compte sur vous. Merci Eric. 2 heures VDV du Paul Ricard, véhicule historique de compétition, grille de départ. David Ferrer, Mr. John F.B. en pole position avec la Lola T70 Speeder. À ses côtés, on va avoir Eric Hellary une nouvelle fois avec la Corvette C3. Troisième position pour Eric Vincenot et son ami Bachelier sur la Ford GT40. La Chevron B8 de Mr. John of B et Sohail Harari sera la 4e voiture sur la grille. On note la fantastique bagarre entre les groupes 4 face à la Corvette. On retrouve l'équipe Polibet avec Bernard Moreau, Miguel Langin, mais aussi la Scuderia avec Krikhnov, le Suisse sur sa Delitude RSR. En groupe 3, nouvelle bagarre également avec la voiture de Ludugo Racing, Bart et Moëz, mais aussi Force Motorsport avec Mézard et Tortora. Et enfin, la 911 qui porte numéro 911 par évolution d'Éric Achard. Et bien voilà, c'est parti pour 2 heures de course. L'image de la grille de départ, c'est la Lola T70 Speeder numéro 44 qui prend rapidement l'avantage sur tout le monde et compte près d'un tour d'avance à la mi-course. Pendant ce temps-là, la Corvette la suit de près et mène largement le groupe 4. Groupe 4 qui verra malheureusement l'abandon de la magnifique De Tomaso Pantera assez rapidement dans la course. Les problèmes de la Corvette profitent aux autres prétendants à la victoire en groupe 4, notamment la Porsche numéro 1 de Bernard Moreau et Miguel Langin, la 66 de Serge Krikhnov et la 91 d'Emmanuel Brigand. Ces trois-là se battront jusqu'au bout pour la victoire dans ce groupe. Au bout de 50 minutes de course, le safety car entre en piste suite aux problèmes mécaniques graves de la Chevron B60 qui s'immobilise juste sur le bord de piste. Le safety car est là pendant 10 minutes et un grand long balai des ravitaillements entre en scène. Et après, avec la venue de la pluie, ça se complique. Je suis avec David Ferrer après la mi-course. David, la pluie vient de s'inviter, t'as fait un super départ, mais là c'est là où ça se corse, surtout avec une voiture aussi puissante que la Lola, non ? Ça change toute la donne parce que effectivement la Lola est très difficile à conduire sous la pluie, c'est une voiture qui est très lourde et le moteur à l'arrière, elle est très déséquilibrée, donc il faut être extrêmement prudent. De plus, mon coéquipier n'a pas de chance parce que commencer un relais sous la pluie avec des slicks avec une telle voiture, c'est très très difficile. Mais il aime glisser, monsieur John of B. Donc maintenant que les pneus pluie sont installés, on espère maintenir un peu notre avance.
et on verra bien. Il reste une quarantaine de minutes de course. Vous aviez quoi, 3 minutes d'avance? On devrait pouvoir le faire. Ce qui m'inquiète, c'est les Porsche de M. Moreau, parce que eux, c'est des artistes sous la pluie. Donc voilà. Merci David. Justement, les Moreau, on va aller les voir. C'est très intéressant ce qui se passe. Sourire. Je pense qu'ils ont le sourire. À plus tard. Merci. Je suis avec Miguel Langin, le pilote de la Porsche numéro 1. Miguel, le groupe 4, ça devient de plus en plus serré avec d'autres voitures qui vous disputent l'hégémonie que vous avez depuis plusieurs années sur le Challenge Endurance VHC. Là, il y a la pluie qui arrive, ça va faire vos affaires pour la course. Vous êtes déjà remonté 3e et Bernard adore la pluie, je crois, non? Premier relais sympa, des belles voitures, un petit peu de bataille en plus. Un peu dommage, c'est que le safety est arrivé 10 minutes trop tôt. Donc j'ai été obligé de rentrer pour faire le changement de pilote. S'il est arrivé 10 minutes plus tard, on aurait fait le changement de pneus. Ce qui aurait été évité de faire une rentrée de plus. Mais bon, apparemment ça a bien plu, la piste est bien humide. Donc je pense que Bernard va faire le reste du boulot. Vous pensez pouvoir remonter sur la Lola qui est première? Je pense que c'est peut-être possible. Je ne connais pas les temps de la Lola et je ne connais pas les talents du pilote qui est dans la voiture. Mais je fais confiance à Bernard, il va croiser les doigts et puis en espérant que ça sèche pas trop vite. Merci Miguel. Merci à toi. J'espère qu'on te retrouve sur le podium. J'espère aussi. Pour les 30 dernières minutes de course, c'est un véritable spectacle. La moitié du circuit est sèche, l'autre moitié est détrempée. Personne n'arrive à contrôler sa voiture, les têtes à queue pleuvent. Et ça profite à Bernard Moreau et Miguel Langin qui volent la première place. Entre guillemets, à la Lola T70 Speeder numéro 44 qui perd l'allumage 10 minutes avant la fin de course. Emmanuel Brigand au volant de la Porsche numéro 91 se classe deuxième pour sa première course cette saison et Nigel Greensall remonte fantastiquement avec la Chevron B36 numéro 76 de l'américain Richard Bryan et vient s'inscrire sur la troisième marche du podium juste sous le nez de Yann Le Calvez qui faisait de son mieux au volant de l'Elva numéro 3. En groupe 4, c'est donc Moreau et Langin qui s'imposent devant Brigand et Krikhnov. En groupe 3, la bataille était dure pendant toute la course, avec le superbe relais d'Éric Mouez et le deuxième bon relais de Jean-Claude Barthes. C'est la numéro 10 qui s'impose devant la 911 et la 84. Enfin, en sport prototype, c'est donc la 76 qui l'emporte devant la 3 et la 58 de Di Trento et Giusti. On récapitule. Le scratch est remporté par la Porsche numéro 1 devant la Porsche numéro 91 et la Chevron numéro 76. On se retrouve les 28 et 29 septembre sur le circuit de Nogaro. Salut! Bon alors, t'as gagné encore une fois, Bernard? Encore une fois, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Encore une fois, il a plu. Ça nous permet de niveler avec les protos et puis avec un petit peu de chance. Et ben voilà, c'est bien. On se fait une victoire scratch. On aime bien. Tu penses que si la Lola avait pas eu de problème d'allumage, t'aurais gagné ou pas? Je sais pas exactement quel temps on avait qui nous séparait, j'en sais rien. Mais c'est possible parce qu'il y avait quand même la moitié du circuit où il pleuvait en permanence et qui était avec des grosses rigoles d'eau, et l'autre moitié qui était sèche. Alors sur le sec, c'est sûr qu'il mettait un avion. Sur le mouillé, je pouvais le reprendre. Je sais pas ce qu'on avait comme différence. En tout cas, t'as fait une super course, t'as fait parler l'expérience et on voit que Polybe est toujours là. Et le groupe 4 qui se relance, ça fait plaisir ça? Ah ben certainement, le groupe 4 c'est fabuleux. Et puis, ben oui, comme on dit, les bons pilotes on les voit sous la pluie. Hein. Merci Bernard Miguel, super course aussi. On t'a déjà vu à la mi-course mais c'était génial. Super course, ouais, premier relais, on a essayé de tenir notre place. Premier safety car un peu compliqué à gérer parce qu'il commençait à tomber quelques gouttes, mais pas assez pour qu'on puisse changer les pneus. Bernard est rentré au bon moment, c'était le seul juge pour pouvoir juger du changement ou pas. Il est rentré au bon moment, il a changé et il a fini le travail. Voilà. Bon bah voilà, hein. Comme quoi une course ça se gagne aussi et surtout à l'expérience. Même pour une 2 heures, vous serez là pour les 2 tours d'horloge, Bernard. Attends, tu vas pas manquer ça. Avec la même voiture, on sera là avec la même voiture aux 2 tours d'horloge. Oui. Ok, on s'en promet. Allez, à la prochaine, à Nogaro. À la prochaine, à demain. Merci. Ciao, ciao.